Hello tout le monde, c'est Marie. Je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois sur le compte de NeoDance Academy pour un tout nouveau tuto. Ça m'a fait trop plaisir de voir toutes vos belles interprétations sur ma dernière choré, donc merci mille fois. Aujourd'hui, on va encore faire une nouvelle choré contempo, mais cette fois dans un registre un peu plus différent, genre plus punchy et provoque. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va danser sur la musique Go App Yourself de Two Feet. Je vous la mets dans la description. Et voilà, c'est parti. All right, have no need to fight tonight, tonight. Super important, c'est tout ce qui fait le charme de la choré. Donc tu peux mettre la musique à partir de 45 secondes pour commencer bien sûr le départ. Au départ, t'es normal, devant, petite parallèle, tranquille. T'as ta main gauche qui vient sur ton épaule, tranquille, et elle redescend. De là, t'as la voix de la fille et tu fais une tête sur la droite, c'est l'oreille qui dirige, ça fait foum. Et t'as tes genoux qui se plient en même temps dans un petit plié, foum. De là, tu envoies un kick avec ton pied gauche, toujours sur plié, pam, ça revient, ça fait monter ton épaule gauche, tu es sur demi-pointe, tu vas plier, dégage la jambe droite avec ta main droite qui dessine un grand cercle, tu arrives ici dans une grande seconde parallèle pour aller donner un accent avec ton coude et ta tête accompagne. Houm. Ok, du début, t'as fait épaule, ça c'est tranquille, là, houm, sur la voix et là c'est le premier gros accent, pam. Épaule demi, tu dessines, 30 secondes, accent. De là, tu reviens avec ta main, ton pied droit vient ici, se placer en dedans pour faire un accent, pam, et en même temps, ta main gauche vient rejoindre ta main droite, les poings sont fermés pour aller donner un accent avec ton coude sur la droite, ça oppose, foum, t'es dans une torsion. De là, tu viens croiser ton pied droit derrière, ici, grand, grand, grand. Ta main droite passe sous ton avant-bras gauche pour aller donner foum ici, comme si tu lançais une boule de feu, pam, vraiment hyper tordu. Oui, foum, du début, t'as fait épaule, en bas, et tête, cou, épaule, accent, poum, la croise, et foum. De là, tu reviens, ta main droite au-dessus de ton bras gauche, pour tendre les deux jambes et c'est comme si tu te préparais pour un combat d'art martial. Ici, pour plier, tu as une préparation pour faire un pencil turn en dedans. Donc, tu tournes sur ta jambe gauche, jambe droite en l'air, tu es en flex, tu gardes ton axe, pas comme moi. Et tu arrives ici, de face, t'en as qu'un, t'as pas le temps pour deux. Les deux mains se rejoignent en bas, collées. Foum, et tu as le buste qui accompagne. Ta main droite vient se poser sur ta hanche droite, ta main gauche sur ta hanche gauche, et t'as un accent avec les genoux vers l'extérieur qui va te faire remonter et retrouver ton axe. Poum poum. De là, pied gauche rentre à l'intérieur, à l'extérieur, demi, et en même temps que tu mets ta demi-pointe, t'as ta main qui vient se poser sur ta cuisse. Et là, t'as un accent avec le buste qui fait avant, côté pour aller regarder là-bas. Poum. Oui. Encore une fois, tout du début. T'as fait main, tête, pied, et grand, grand, foum, accent. Croise derrière, boule de feu, foum, et accent ici, art martial. Tu plies, pencil turn, en bas, main droite, main gauche, genou. En dedans,
En dehors. Demi avec la main. Accent. De là, tu as ton talon gauche qui va taper pour foum foum et ça fait reculer ton buste vers l'arrière. Comme si vraiment on te poussait, genre t'as peur de ce qu'il y a devant toi. Et là, tu lâches les bras, c'est tranquille et t'as un accent avec la tête en arrière, ça fait foum et ça te fait descendre dans un grand pli. Encore une fois, tout du début. Tu fais main gauche, tête, accent. Et croisez, croisez boule de feu, foum, arme martiale, et plie en bas, main, main, genou, en dedans, en dehors, demi, foum, de la pied, tu lâches, accent. T'es en bas, tu viens poser tes mains devant, mais pas trop loin, parce que tu vas repousser ta jambe droite derrière pour arriver ici, t'es en écart, toujours la jambe pliée. Pour passer dans le trou qu'il y a entre ta jambe gauche et ta main gauche et venir ici, dans une parallèle, ta main gauche se pose de l'autre côté, t'es confort. Ici, ton pied droit est flex et t'as le regard devant. Pour donner un accent, tu vas regarder ton public, poum! Et c'est ta tête qui est retardée pour revenir ici et t'as un accent bassin en bas. De là. Tu ramènes tes deux pieds dans une bonne parallèle. Tu vas remonter en cambré en t'aidant de ta main droite qui pousse dans le sol et ta main gauche va aller chercher le ciel. Foum ! De là, tu es toujours en cambré. Je le fais pas sinon je me pète le dos. Tu es toujours en cambré et dans ton cambré, tu tournes ici pour arriver de face parallèle et ta main droite vient se poser sur ton épaule gauche. Encore une fois, tout du début. 7 et main gauche. Foum, accent, croise, boule de feu, poum, et tend, foum, en bas, main, main, genou, pied, pied, pose, accent, foum, talon, et lâche, tête, devant, tu pousses la jambe derrière, tu reviens, main gauche vient se poser sur le côté, tu fais tête, bassin, et deux pieds parallèles pour cambrer en bas, main. Oui, c'est bon tout ça? On refait encore une fois du début et on continue tout. T'as fait. Main, poum, tête, pied, accent, poum, croise, croise, boule de feu, foum, et, devant, main, main, genou, pied, pied, demi, accent, talon, lâche, tête, et devant, jambe, ici, t'es confort, poum, descend bassin, c'est un accent le bassin, foum, pour remonter, cambré, en bas, foum, de là, tu vas échapper jambe droite, passe le bras, la main droite sur ton épaule droite, avec le poids qui vient sur ta jambe droite, la même chose à gauche, reviens à droite, cette fois tu lèves la jambe parallèle, attitude, pour envoyer un accent avec la jambe qui tend, c'est ta pointe de pied qui vient kicker, poum, et les bras, tu gardes ton accent comme moi, et les bras accompagnent. Ici, tu es dans une torsion, ton pied croisé derrière en demi-pointe, et les deux bras qui dessinent une ligne. Tu passes ton pied droit en dehors, pour glisser pied gauche. Ici, tu rentres en dedans, tu viens première, pour plié, grand plié, avec un retour de la tête, foum. Là, tu as un rebond, ça fait foum. Tu repasses parallèle et tu te poses sans faire bobo au genou, tranquille. Et ta main gauche, ton avant-bras gauche qui est posé sur ton ventre, tranquille. Et là, tu as un petit moment de pause, c'est très net. De là, tu passes en quatrième, ici, pour jambe droite devant, pour dessiner un demi-cercle avec ton pied gauche. Là, tu as les deux mains derrière qui sont là pour t'appuyer, tu gardes ton équilibre, tu vas passer sur le ventre, tes deux mains viennent ici dans la torsion, foum, tu es là, tu tends ta jambe droite pour faire cambrer, t'es genre sirène, ça c'est sur la voix de la fille, ça fait foum, et tu plies ta jambe gauche pour allonger ton bras droit et poser ta tête dessus. Et là, t'as fini la première partie.
C'est reparti, on reprend tout depuis le début. Au début, c'est le bras que tu veux. Foum, 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 je m'en fous. T'as fait pam, pam. Tête, pied, en haut, foum, axe. Croisé, croisé, boule de feu, pam. Et art martial, reviens. Deux mains collées. Main, main, genou, pied, pied, foum. Et accent, talon, lâche, tête, et devant, jambes, et passe, et tête, bassin, reviens parallèle, tu cambres, ici, main, poids à droite, poids à gauche, lève jambe gauche, tu fais fou, accent avec les deux mains qui dessinent une ligne, en dehors, tu es en première, hauteur de la tête, fou, parallèle. Tu dessines un cercle, foum. Tu passes sur le ventre, foum. Et lâche. Oui, on fait tout ça, toute cette première partie, une fois en musique, et on continue avec la deuxième partie. N'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a des choses sur lesquelles je passe trop vite ou quoi. C'est une vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est parti. Pour la deuxième partie, donc tu es arrivé ici sur le ventre, tu as bras gauche, jambe gauche pliée, bras droit et jambe droite tendue. Tu es tranquille, tu es posé, tu penses à respirer et tu penses à respirer d'ailleurs tout le long de la choré, c'est important pour savoir gérer son énergie et bien marquer les accents là où il faut. Donc tu respires, tu as un petit moment de pause, ta jambe droite se plie avec pied droit pointé, tu es tranquille, ça remonte doucement. Et là, ton talon droit vient toucher ta fesse droite. Poum, ça fait un accent. Pour passer sur le dos. Donc, ta main gauche pousse dans le sol pour t'aider à passer sur le dos. Ta jambe gauche se plie pour faire passer ta jambe droite. Plie également. Elle passe en dessous. Et tu arrives ici. Ta jambe droite vient se tendre avec un pied flex. Pam, ça fait un accent. Poum. D'ici, elle se plie pour aller croiser sur la jambe gauche. Pam, encore une fois, c'est un pop, un petit accent. Pam. Pour revenir, et tu passes là, dans une quatrième jambe droite devant. Ta main droite vient toucher ton épaule gauche, ça fait poum, accompagné avec la tête. Tu reviens, tu poses ta main droite loin, pour faire un petit balancier avec ta jambe gauche pliée, le bras accompagne encore une fois, poum. Tu reviens, tu poses la jambe gauche assez loin, mais quand même assez proche de toi. Tu gères pour remonter, retrouver ton axe sur demi, et tu poum, accent sur pied plat. Accent avec la tête à droite, poum, et là, accent, tu te poses les mains sur les cuisses, tranquille. On reprend tout ça, la deuxième partie. Sur le ventre, poum, tu plies la jambe droite, accent, poum, tu viens sur le dos, flex, croise. Et quatrième, épaule, poum, balance, tu viens retrouver ton axe demi, poum, tête en bas. De là. Ta jambe droite s'échappe, ça fait foum avec le coude gauche qui dessine ici. Tu passes parallèle, là, dans une grande parallèle, et tu fais foum. Tu as la demi-pointe gauche qui se lève avec la tête et le regard qui viennent à droite. Et la main se pose sur ton cou ici. Et là, tu as un accent. Ton talon gauche se pose, ta jambe gauche se tend et ta jambe droite se plie. Ta tête revient, tout ça d'un coup, poum. Oui, de là, tu as fait échappe jambe droite, reviens, tout d'un coup, poum. De là, tu as un temps de pause, il y a un temps où il n'y a pas de musique du tout, tranquille. Ton coude droit dessine ici pour ramener ta jambe droite vers ta jambe gauche, tu plies le tout. Ton coude gauche dessine à son tour pour lever la main droite loin vers le ciel et la ramener. Foum! Avec le poing et le regard qui accompagne. Foum! De là, tu as un accent, tu retrouves ton axe et tu plies les genoux dans un petit plié, tu fais PAM!
ta main gauche vient éclater ton poing droit pour faire poum. Ta demi-pointe droite se lève, t'es toujours dans un petit plié. Et tu tires, tu fais ce que tu veux avec tes mains, il faut que ça vive. Tu tires le plus loin possible sur ta gauche. Tu tires pour revenir tendu les deux jambes. Et t'as les poings serrés sur les hanches. Encore. Tout ça, mais sur le ventre. T'as fait. Plie la jambe droite. Poum. Flex. Croise. Et quatrième. Épaule. Balance. Reviens. Poum. Et tête. Poum. Échappe. Demi. Hey! Coude droit, coude gauche, la main là-haut, point. Plié, éclate. Tire. Tendu. D'ici, tu vas plier pour, avec ta main droite, chercher derrière ta cuisse. Tu vas tourner vers ta gauche, tout simplement comme ça. Pas de chichi. Sur plié, pour échapper jambe droite. Loin, tu vas aller chercher là-haut très loin avec ta main droite et pendant ce temps, ta jambe gauche vient devant, foum, dégager tout simplement. Là, pour revenir ici, dans une quatrième pliée, jambe droite devant, tu as les mains qui se posent encore une fois sur tes hanches, en point. Et là, c'est le dernier step, tu passes ta main droite sur ton oreille gauche, ta main gauche sur ta joue droite et en même temps tes jambes se tendent. Donc oreille, joue. Tu as le regard vraiment droit devant toi et là c'est comme au début, c'est le même accent qu'au début sur la voix de la fille. Tu te fais genre torticolis, pam. Avec tes deux mains qui poussent vraiment au max, pam. Et là sur le gros accent, libre comme tu veux, ça casse, c'est libre. C'est à toi. Et de là, t'as tout fini. Voilà. Donc, on reprend encore une fois la deuxième partie en entier. On refait tout sans musique du début. Une fois en musique pour vraiment comprendre la musicalité. Et ce sera tout bon, ok? C'est reparti, deuxième partie, t'es là. Et, jambes. Foum, accent. Flex. Pli. Foum. Épaule. Balance. Reviens. Foum. Tête en bas. Échappe. Et, poum. Coude en haut, foum, pli, casse, ta la 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 la, reviens, plie et tourne, et échappe, cherche, quatrième, et oreille, joue, poum, accent comme tu veux. Yes, c'est parti, encore une fois, tout du début, on reprend. T'as fait, main, et tête, pied, demi, accent, croise, boule de feu, pam, et tend à martial, tendy turn, en bas, main, genou, pied, demi, accent, foum, talon, et accent, jambe, foum, côté, tête, bassin, reviens parallèle, complet, foum, en bas, main, droite, gauche et accent, croise, tu viens première, plié, parallèle, passe quatrième, dessine et sur le ventre, foum, lâche, jambe, poum, flex, croise et épaule, balance, foum, respire, calme, tête en bas, foum, tête, reviens, coude en haut, casse, plié, foum, respire, reviens, tournez, échappe, là-haut, quatrième, oreille, joue, poum, accent, et c'est fini, oui, ok, c'est reparti pour faire tout une dernière fois en musique, écoute bien les accents, et ce sera bon, let's go. Tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Tonight.
De voir vos vidéos et vos interprétations, donc n'hésitez pas à me taguer ainsi que Neodance Academy dans tous vos posts, stories, tout ça et on vous repartagera autant qu'on peut. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Neodance Academy également, il y a plein de profs et de tutos super, trop cool pendant cette période de confinement et je vous dis à très bientôt, bisous.